Dans cette vidéo, tu vas connaître 3 aliments pour te muscler. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Dans les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, je parle souvent d'aliments pour grossir, et pour cela, je parle d'aliments sains et caloriques qui vont te permettre de te retrouver en excédent calorique pour prendre du poids. Mais en parallèle, si tu veux réussir ta transformation physique et prendre du muscle, il faut aussi privilégier les aliments riches en protéines. Pour rappel, les protéines, c'est ce qui permet la reconstruction musculaire. Et si 1, tu suis les bons entraînements de musculation et 2, tu consommes suffisamment de protéines, c'est ainsi que tu vas optimiser ta prise de muscle. Et pour un homme ectomorphe en prise de masse, je conseille tous les jours de consommer entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Le chiffre en soi peut paraître relativement élevé, mais tu verras dans la pratique que si tu choisis les bons aliments, il est très facile de consommer suffisamment de protéines. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, consommer suffisamment de protéines pour un homme ectomorphe en prise de masse, cela ne demande ni un gros budget ni un talent de grand cuisinier. Et justement aujourd'hui, je vais te partager 3 aliments accessibles à petit prix. Ce sont des aliments qui ne demandent aucune préparation ou en tout cas qui sont très faciles à préparer. Et si tu consommes régulièrement ces 3 aliments, tu verras que tu pourras facilement augmenter tes apports en protéines. Et d'ailleurs, pour information, autant pour te muscler tous les muscles du corps, il faut bien diversifier tes entraînements de musculation. Cela va te demander de faire différents exercices comme je le propose à mes élèves en coaching. Mais autant pour la partie nutrition, si tu as les bons entraînements bien sûr, il te suffit de consommer suffisamment de protéines pour optimiser ta reconstruction musculaire dans tous les muscles du corps. Et le premier aliment que je te conseil pour te muscler, ce sont les sardines ou le thon en conserve. L'avantage des sardines ou du thon que tu trouves en conserve, c'est que tu peux les trouver dans absolument tous les supermarchés, et ce sont des aliments tout à fait accessibles pour les petits budgets. Les sardines comme le thon font partie des poissons, ce sont donc une excellente source de protéines, et le gros avantage c'est que tu n'as pas besoin de cuisiner. Tu peux donc facilement les consommer le soir quand tu as la flemme de cuisiner, ou même les emporter sur ton lieu de travail si tu veux les manger à midi. Si tu cherches à augmenter en parallèle tes apports caloriques pour prendre du poids en plus de prendre du muscle, je te conseille de prendre les conserves dans de l'huile d'olive. L'huile d'olive, pour rappel, est une huile de bonne qualité, et d'une part, les sardines ou le thon vont t'aider à augmenter tes apports en protéines, mais en parallèle, l'huile d'olive va t'aider à augmenter facilement tes apports caloriques. En plus de cela, les sardines et le thon contiennent des oméga 3, ce sont donc des aliments très intéressants si tu as tendance à consommer trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Une petite recette super simple que j'adore faire, c'est me faire une boîte de sardines dans de l'huile d'olive. Je rajoute un peu de riz, un peu de légumes, par exemple quelques feuilles d'épinards. Je mets un peu de poivre sur le tout. Au dessert, je prends une poignée de noix de cajou, et cela me fait un repas super intéressant pour la prise de masse musculaire. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quels sont les aliments que tu manges le plus pour te muscler. N'hésite pas à bien me faire une liste complète, je te dirai ce que j'en pense pour ta prise de muscle et comme toujours je réponds à tous les commentaires. Le deuxième aliment que je conseille pour muscler le corps, ce sont les œufs. Alors les œufs, quand on fait de la musculation, c'est la base de la base. Ce sont des aliments pas chers, tu les trouves absolument partout. En plus de cela, il existe différentes façons de les préparer, ce qui va te permettre de diversifier tes recettes. Et si comme moi tu n'aimes pas passer des heures en cuisine, tu peux aller au plus simple, tu vas faire des œufs durs. Pour préparer des œufs durs, tu as juste à les mettre quelques minutes dans de l'eau bouillante et le résultat est prêt. Tu peux facilement en préparer 10 ou 15 pour plusieurs jours et les mettre ensuite au réfrigérateur. Les œufs font partie des protéines animales, c'est une excellente source de protéines et pour un œuf on a entre 6 et 7 grammes de protéines. A nouveau, une recette super simple que tu peux faire, c'est mettre dans ton assiette 3 ou 4 œufs durs. Tu peux y rajouter un peu de riz, un peu de salade. Sur le tout, tu vas mettre de l'huile de qualité, cela peut être de l'huile de lin ou encore de l'huile de colza. J'y rajoute aussi un peu de graines de chia et au dessert, je me prends une poignée de noix. Encore une fois, cela me fait un repas super complet pour la prise de masse musculaire et les œufs sont très intéressants pour la prise de muscle. Les œufs durs, en fait, tu peux les consommer à tout moment de la journée, tu peux les consommer le matin si tu as la flemme de cuisiner, mais tu peux aussi les emporter avec toi pour une collation. Ce que tu peux faire durant l'après-midi, c'est consommer par exemple 2 œufs durs et cela va t'aider à rapidement augmenter tes apports en protéines. Si tu trouves que les œufs durs n'ont pas beaucoup de goût, tu peux mettre un peu de moutarde. Privilégie toujours la moutarde de qualité et tu verras que le goût des œufs se marie très bien avec le goût de la moutarde. Enfin, troisième aliment pour te muscler rapidement, c'est le lait. Alors je sais que certaines personnes disent qu'il ne faut pas trop consommer de lait de vache, mais si tu consommes régulièrement des produits laitiers simplement durant tes mois de prise de masse, il n'y aura pas de problème. Le lait fait partie des protéines animales, c'est une très bonne source de protéines et je précise que si en plus de prendre du muscle, tu veux prendre du poids comme tous les hommes ectomorphes, je te conseille de choisir le lait entier, c'est le lait le plus calorique. Par conséquent, c'est le lait le plus intéressant pour te retrouver en excédent calorique. Le lait, bien évidemment, tu n'as pas besoin de le cuisiner, tu peux le prendre tel quel à la brique, mais tu peux aussi faire un paquet de recettes avec le lait. Je pense aux recettes au blender pour te faire des smoothies. Dans ton blender, tu peux par exemple mettre du lait, des fruits, et tu vas y rajouter un peu de noix et un peu de flocons d'avoine. Sinon, le matin, tu peux te faire un grand bol avec du lait, du cacao en poudre, des fruits et un peu de flocons d'avoine. Si éventuellement tu préfères une texture un peu plus compacte, tu peux te tourner vers les autres produits laitiers. Je pense par exemple au yaourt grec ou encore au fromage blanc. Tout comme le yaourt grec peut se consommer tel quel, mais tu peux aussi le mettre dans ton blender pour te faire des boissons riches en calories et en protéines. Quoi qu'il en soit, privilégie toujours les yaourts nature. Si en supermarché tu choisis des yaourts aromatisés, il y a souvent du sucre ajouté. Et si tu cherches à prendre du muscle et surtout prendre du muscle pour ta transformation physique, ce type d'aliment devient moins intéressant. L'idéal, plutôt que de choisir un yaourt aromatisé, c'est de choisir un yaourt nature et de rajouter des fruits, éventuellement un peu de miel. Le résultat est plus sain et tout aussi délicieux. Personnellement, quand j'étais un jeune adulte,
adulte et que j'étais encore super maigre, je consommais régulièrement du lait entier. La raison est qu'à l'époque j'avais peu d'appétit, j'avais donc beaucoup de mal à manger plus, j'avais beaucoup de mal à prendre du poids, prendre du muscle. Mais le lait est un aliment liquide, et un des conseils que je donne toujours à mes élèves qui ont du mal à prendre du muscle et prendre du poids, c'est de boire ses calories plutôt que de les manger. Et d'ailleurs, fais-en l'expérience, tu verras que même si tu n'as pas beaucoup d'appétit, il est très facile de boire 300 ou 400 ml de lait, et donc si tu galères à manger, c'est un moyen très simple d'augmenter tes apports en protéines pour prendre du muscle. À l'époque où je faisais ma prise de masse musculaire, après chaque séance d'entraînement, j'avais l'habitude de me descendre une brique de lait en entier. Je sais que cela peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais quand on a toujours été complexé par sa maigreur et qu'on est super motivé comme c'était mon cas durant ma prise de masse musculaire, c'est un moyen très efficace en complément bien sûr aux entraînements de musculation de prendre du muscle. Bien évidemment, il existe d'autres aliments pour optimiser ta prise de muscle, que ce soit la viande, la whey, les protéines végétales. Il existe presque une infinité d'aliments qui vont t'aider à prendre du muscle, mais j'ai choisi aujourd'hui trois types d'aliments qui sont simples à trouver, ils sont accessibles au petit budget et ils ne demandent soit aucune préparation ou en tout cas se préparent de façon très simple. Si tu suis les bons entraînements de musculation à la maison et que tu consommes régulièrement ces aliments pour ta prise de muscle, tu verras que ta masse musculaire va se développer progressivement et finalement, même si aujourd'hui tu es très maigre, tu vas réussir à prendre du muscle. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo sur les aliments pour muscler le corps va t'aider, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos, autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quels sont les aliments que tu manges le plus pour te muscler. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.